Le 4 juillet à 15h, j'aurai le plaisir d'animer un webinaire avec mon ami Yann Dirheimer de Hootsuite dans le cadre des Social Days qui ont lieu cette semaine-là, début juillet, avec notre partenaire Hootsuite. Alors j'en profite d'ailleurs pour faire un petit teaser sur la sortie en septembre de notre nouveau baromètre sur l'utilisation des médias sociaux en entreprise. On a d'ailleurs cette fois-ci deux nouveautés à annoncer sur ce sujet-là, puisque on a d'une part un échantillon absolument gigantesque de près de 900 répondants, et d'autre part la comparaison des résultats de cette année avec tous les autres pays qui ont été sondés par Hootsuite. Je crois que c'est énorme, je crois qu'il y a 15 000 réponses au total. Alors, pour ce Social Days, on va se focaliser sur le content marketing, comme d'habitude, mais en même temps, jamais le content marketing n'a autant évolué dans ces 5 dernières années, hein, puis ça fait 5 ans maintenant, enfin, c'est notre 5e année chez Visionary Marketing, et le content marketing n'a jamais été aussi important pour les entreprises. C'est d'ailleurs notre premier point, mais en même temps, il n'aura jamais autant évolué que dans les 4 dernières années. On va revenir sur ce qu'est le content marketing et en quoi il est important pour les entreprises. Je referai peut-être aussi un distinguo entre les entreprises du B2C et du B2B. Alors, le deuxième point qu'on évoquera avec Yann, c'est quelle place aujourd'hui le content marketing prend dans la stratégie social media des entreprises. Et encore une fois, on fera un distinguo entre le B2B et le B2C. Peut-être aussi on rebranchera également sur un autre sujet qui sera également évoqué dans les Social Days de Hootsuite avec un autre partenaire de Hootsuite qui s'appelle Tracker, avec qui on travaille également. Et sur l'influence. Alors le troisième point, c'est le quelle stratégie de contenu pour quel réseau social. Ça c'est un sujet qui revient souvent et qui a évolué beaucoup ces derniers temps. Et on verra quelques bonnes pratiques et quelques moins bonnes pratiques. Notamment, j'aurai l'occasion de revenir sur la sempiternelle transparence. Je sais, ça emmerde tout le monde, mais je vais le faire quand même. Quatrième point, les métriques à mettre en place pour suivre sa stratégie de content marketing et l'adapter. Hélas, celui-là, c'est toujours le truc super, super problématique parce qu'il faut pouvoir mesurer et en même temps, c'est pas facile. Donc, on va y passer un petit peu de temps et donc, je vous donne rendez-vous le 4 à 15h dans le cadre des Social Days avec Hootsuite, un événement à ne rater sous aucun prétexte.